Bonjour à tous. Encore une nouvelle aventure de mes 12 questions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Mehdi Nesmon. Mehdi Nesmon est auteur, compositeur, producteur. Nous verrons sa pudeur à dire qu'il est artiste tout à l'heure. Et on va aller dans le domaine artistique. Donc on sera dans le domaine artistique aujourd'hui avec lui. Avant, Mehdi, c'est le prénom arabe qui veut dire guide, guide de lumière, envoyé de Dieu. C'est tout ça, Mehdi, c'est tout ça, bonjour. Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes et à tous. Oui, déjà, Mehdi, c'est un prénom qui a été choisi par mes parents, évidemment, mais la signification, elle m'a un peu choqué. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas du genre à me vanter. Et voilà, j'aime ce que je fais, mais je ne suis pas du genre à en faire trop, voilà. Et c'est une belle définition, oui. C'est beau. J'ai trouvé ça intéressant. Et effectivement, c'est bien ça. Donc, guide, pas plus ou moins porteur de lumière, on dira. C'est enfin messager dans l'idée, quoi, en fait. Alors, Mehdi, je vais tout raconter. Parce que... Ou bien, je vais vous laisser raconter. Vous vous souvenez d'un des circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés pour la première fois ? C'était probablement à France Antilles. J'ai pas l'impression. En tout cas, quand je dis la première fois, celle qui augure votre présence aujourd'hui. Ah oui, devant un supermarché de la place. Oui, effectivement. Ben, je vous ai reconnu et je vous ai donc salué. Vous m'avez interpellé. Tout simplement. Vous m'avez interpellé. Vous m'avez dit que vous auriez bien aimé être invité parce que vous êtes artiste. Quoi. Vous produisez des. Voilà. Donc je produis différentes choses. Notamment la musique et également des vidéos. Je réalise des clips, des spots, des courts-métrages, des documentaires. Et oui. Et vous vous souvenez quand je vous ai appelé pour vous inviter ? Ben oui, j'ai répondu. Je ne m'y attendais plus. Voilà. Mais pourquoi vous n'y attendiez pas ? Ben parce que. Il faut être patient. Et donc. Ma patience, des fois, elle se dit « Ouh là, ça fait longtemps, bon, tant pis. » Mais en tous les cas, j'ai vu que vous avez tenu parole. Est-ce que c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous et que vous estimez que ce que vous faites n'est pas suffisamment valorisant et donc que je n'ai pas à répondre, que je n'ai pas... Pas du tout. C'est peut-être parce que vous avez trop de choses à faire. Et en ce qui concerne ma confiance en moi, ça va. Je continue à faire ce que j'aime faire, donc... je pense que ce que je présente au public peut leur plaire autant qu'à moi. Je suis convaincu que ça aurait pu arriver, mais beaucoup plus tard. Mais bon, je ne m'y attendais pas, en tous les cas. En tout cas, cette réponse m'a encore motivé à vous recevoir. Parce que, vous savez, ma conception, c'est donner la parole aux gens. Et du plus humble au plus glorieux, au plus lumineux. Parce que chaque personne a quelque chose à dire, chaque personne a sa pierre à apporter à l'édifice. Vous faites votre pierre, c'est la musique, le domaine musical. Donc j'ai découvert que vous avez quand même sur votre dernier album produit 26 titres. Ça fait beaucoup quand même. En fait, pour tout dire, le 14 février 2021, j'ai mis en ligne... sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, Bonheur éternel est dans l'idée où je pensais qu'il fallait dire quelque chose, ou moins lancer une idée qui ferait que les gens ne soient plus pessimistes et qu'ils arrêtent de se dire que, bon, avec cette pandémie, on ne peut plus ou on est enfermé. En fait, qu'il y a toujours espoir de vivre, toujours espoir de dire bonjour, toujours espoir de sourire, toujours espoir de faire ce qu'on aime faire, justement. Et que... On peut toujours viser le mieux, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc il y a eu ce premier opus. Ensuite, le 27 juillet, j'ai sorti en hommage à Monsieur Jovenel Moïse, le Bonheur éternel 2. Jovenel Moïse, qui est l'ancien président assassiné. Voilà, l'ancien président d'Haïti qui a été assassiné. Voilà, là, ça a été... Un choc et également une occasion de dire que on est aussi concerné par ça.
Il y a des limites qui sont franchies. Il ne faudrait peut-être pas qu'on aille aussi loin. Il faudrait peut-être qu'on réalise que Haïti est un joyau d'une façon ou d'une autre. Et qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose à en tirer. Une leçon à en tirer. Est-ce qu'on a besoin encore, pour nous qui avons vécu autant de choses, est-ce qu'on a encore besoin de toujours vouloir prendre la place de l'autre? Cet hommage à Haïti, c'est parce que vous avez des origines haïtiennes? Pas du tout. Et c'est ça qui doit choquer beaucoup de personnes, c'est que non, j'en ai pas. Mais j'estime que d'une façon ou d'une autre, on vient tous de la même côte. Hein. Donc, dispatché entre l'Amérique du Sud, la Caraïbe et l'Amérique du Nord, on vient un peu de la même maison, quoi. Donc on est tous concernés. J'aime bien votre définition, vous avez raison. Dites-moi, Mehdi, pourquoi vous avez eu du mal à me dire que vous étiez artiste? Vous avez préféré me dire que vous êtes auteur, compositeur, producteur, parce que ça englobe tout, mais vous êtes artiste ou pas artiste? Oui, à la base. Mais cheminant, j'ai travaillé avec des personnes, j'ai appris par moi-même, j'ai appris aussi des expériences des autres, notamment pour tout ce qui est composition musicale. C'est en regardant les autres faire que je me suis dit, bon ben Mehdi, oh, si tu vois que tu n'arrives pas à réussir à produire tes premiers projets dans les 2-3 années qui arrivent là, apprends à composer. Donc j'ai regardé, j'ai vu que ça ne se faisait pas, donc j'ai acheté mon matos. Je me suis procuré du matos, du matériel informatique à l'époque. Parce qu'au départ, j'étais parti sur le modèle radio cassette, quoi. C'était ça. Après, je suis passé au synthétiseur. Après, j'ai ajouté une boîte rythmique. Mais toujours relié avec des gens droite-gauche, quoi. Donc, vraiment la base. Et puis, après, c'est arrivé aux 4 pistes. Et puis, je suis parti en France. Je me suis formé. Et quand je suis revenu avec un premier projet sur une musique à moi. Donc c'était à l'époque des Atari, bon, ça s'est fait, enfin, des Cubase Atari, ça s'est fait comme ça. Et si je me trompe pas de nom, hein, en tous les cas c'était Cubase. Et ensuite j'ai continué à chercher d'autres logiciels pour pouvoir continuer à travailler. Donc Cubase a évolué. Vous jouez d'un instrument ? Alors non, je ne joue pas d'instrument, mais je pense pouvoir dire que j'ai le sens musical. Ça veut dire que je peux reproduire une musique. D'accord, donc c'est l'oreille musicale. Sans vouloir trop en dire, oui, je pense avoir l'oreille musicale, je peux reproduire une musique. Et n'importe quel style, hein. Ça veut dire que ça peut être un belay, ça peut être un caseco, ça peut être un groca, ça peut être une salsa, ça peut arriver au houdou, ça peut... Voilà quoi, du rock, Dites-moi, Mehdi, etc. Vous vivez de votre musique? Alors non, je n'en vis pas pour le moment. C'est votre rêve? Et c'est mon rêve, oui. C'est sincèrement mon rêve, pouvoir en vivre. Et c'est possible. Mais voilà, il faut que je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire trouver des gens qui me permettent de parler, comme vous le faites. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai dit, quand je vous ai rencontré, je ne m'attendais plus, parce que j'avais vu un moment passer. Donc c'est vraiment ça, l'idée, c'est pouvoir continuer à parler, à faire parler de moi et de ce que je fais. Et puis, pouvoir... Alors, parlons un peu plus de vous, davantage. Qui est Mehdi Nesmon? Quel âge avez-vous? Alors, quelle est votre formation? Bien vu. Effectivement, donc, déjà, né en France en 1977, de parents martiniquais. J'ai grandi pendant 15 ans, pour résumer un peu la chose, 15 ans en France, après j'ai été emmené en Guyane, je ne vais pas dire de force, mais c'est là-bas que j'ai appris à faire de la musique, et c'est là que j'ai eu mes premiers amis et tout. Et j'ai fait donc 15 ans en Guyane française, je dis Guyane française pour bien différencier avec le Guyana, hein, pour qu'il n'y ait pas de compromis. Et là, ensuite je suis arrivé, je me suis dit il faut que je connaisse mon pays d'origine. Donc il y a eu une espèce de transition qui a été assez choc. Et j'ai donc pris la décision de venir en Martinique. J'ai bien fait.
Et depuis, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Ouais, c'est... Madame Nicole Victorin. Ça n'a pas été simple au début, puisque certains avaient de belles idées, mais bon. On est encore ensemble, et maintenant, ça fait 15 ans que je suis en Marthe. Enfin, donc, vous êtes en train de me parler de votre compagne, c'est ça? Exactement. Celle avec qui je travaille également au quotidien. Là, au quotidien. Alors, voilà un peu. Voilà un peu. Mais bon, pour parler, donc, 15 ans en France, 15 ans en Guyane, donc, arrivé en Martinique en 2009. Ça va bientôt faire 15 ans, parce que là, ça fait 12. Et un an après, je veux faire une exposition de peinture, parce que j'avais préparé pour, depuis 2009 pour l'année suivante, à l'Atrium. Et je rencontre cette dame et on discute. Et elle me dit qu'elle est artiste aussi. J'ai fait « Ah bon ?» Donc du coup, je l'ai invitée dans mon exposition. Et depuis, on ne s'est pas lâché. D'accord. Et de là, elle a découvert aussi que je faisais de la musique à côté, puisque l'année qui a suivi, 2009, 2010, 2011, j'ai ressorti un titre que j'ai remixé sur un single qui a été produit avec M. Desfontis, Alfred Desfontis, le cycliste, le producteur de musique également. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'était à la limite un cadeau. Et... ensuite, on a continué à avancer. Donc après, il y a eu des productions avec, des productions d'albums. Il y a eu également des productions avec Madame Suzanne Dracius. Je parle de la plus importante. Hein. Mm-hmm. Après, il y a eu d'autres avec d'autres artistes locaux. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'ils sont quand même un peu nombreux. Et j'ai eu la chance de voir ce que c'est une unité d'un groupe. Quand il a envie d'avancer, mais j'ai aussi vu quand il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Bon, tant pis. Mais ça a été une belle expérience. Alors, permettez-nous de rentrer dans cet univers de la production. C'est difficile de produire. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce qu'il faut pour produire? Est-ce que, par exemple, demain, je peux me dire que je vais être producteur et puis produire un artiste comme ça? Alors, se dire producteur, c'est beaucoup dire. Savoir écrire un texte, savoir produire de la musique, savoir la placer sur les plateformes de téléchargement légal, ça englobe au moins déjà la partie production, je veux dire. Mm-hmm. Si on peut déjà faire ça, on peut prétendre. Je ne dis pas que je prétends, je ne dis pas que je suis confirmé, mais je peux au moins faire ça. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est jouable. Et après, puisque tout part en fait sur le côté marketing de la chose, il faut investir de l'argent pour qu'on puisse faire parler de soi, d'où le fait que je vous réponde avec franchise. Est-ce que je vis de la musique? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire parler plus de moi? Oui. Voilà. C'est, tout ça revient à l'idée d'être toujours avoir... Il faut payer pour qu'on puisse parler de vous. Vous m'avez payé? Non, mais je veux dire... faire passer son clip sur certaines chaînes avec un public plus ciblé, qui est plus adepte à regarder un style de musique en particulier, notamment pour ne pas les nommer, certaines chaînes dédiées aux musiques urbaines. Il y a ce jeu du pouvoir de l'argent qui gâche un peu les choses. Il faut dire ce qui est. Mais ce n'est pas parce qu'on a du talent qu'on peut réussir. Je ne dis pas que j'ai du talent. Je dis juste que si quelqu'un regarde l'émission aujourd'hui et puis qu'il se demande « Est-ce que je peux me lancer ?» Oui, mais mets de côté. Voilà. Donc j'ai pu réussir au moins à arriver à, disons, 80% du chemin. Et là, je parle franchement, 80% du chemin. Je dirais même 60%. Parce qu'il manque la grosse partie promotion qui ferait que, bon, c'est bon. Quoi. Excusez-moi de revenir un peu là, parce que dans votre présentation, j'ai pas cru entendre. Vous avez des frères, des sœurs? Ah. Alors là... je suis allé sur un terrain glissant. Ouais, un terrain glissant, ouais. C'est clair. Allez, on se dit tout. Bon, vous avez des frères, j'en ai. Voilà. Point final. Après, on va pas. Mais on a compris. Donc, voilà. C'est souvent des histoires douloureuses. Pas toujours, mais des fois. Comment dire, il faut expliquer
combien on a par là et combien on a par là. Vous savez que votre réponse me gêne. Oui, parce que vous avez prévu cette question. Non, j'avais prévu cette question et prévu de vous poser une autre question tout de suite. Parce que la réponse logique, c'est oui, j'ai des frères et sœurs ou non. Je pensais que vous en aviez. Et donc, vous me dites oui. Et je vous aurais demandé comment vos frères et vos sœurs appréhendent ou reçoivent votre musique. Alors, je ne sais pas quoi. Alors, aujourd'hui, je suis obligé de vous demander les gens qui vous entourent, quoi. Parce que vous avez quand même des amis. Voilà, les gens qui m'entourent. Vous avez des amis. Comment vos amis, quand vous. Alors, quel est le cheminement? Vous avez un morceau, vous l'avez composé, il est en boîte, bien bouclé. Mm-hmm. Vous pensez qu'il est bon à intégrer les plateformes de diffusion. Avant, vous faites sans doute écouter par quelqu'un. Voilà. Comment ça se passe? Alors, je prends la précaution de faire écouter. Oui, évidemment. Qui écoute généralement? Quel est votre premier? Est-ce que c'est votre compagne? Elle, c'est alors, toujours. Après, donc, c'est encore, c'est encore quelqu'un bon, qui ne sera pas objectif après. Après c'est le retour que j'ai de la plateforme. Après, de la plateforme, voilà. Qui me dit, bon, il faut régler ça, il faut régler ci, il faut régler ça. Alors, et une fois que c'est bouclé... Vous vous souvenez de la première fois que vous avez mis un titre sur la plateforme? Alors, c'est 2014, hein. C'est la première fois que j'ai eu la chance de pouvoir enfin signer un contrat avec des gens sérieux. Et ça a été... Rien que le fait qu'on m'appelle et qu'on me dise « Tu nous intéresses », même si maintenant, ils brassent beaucoup, mais l'idée est que... Tiens, c'est une difficulté en moins, voilà. Une épine en moins du pied. Je peux enfin pouvoir mettre de la lumière sur ce que je fais. Et donc, les premiers retours ont été, oui, bon, il faut peut-être lever ça. Enfin, ça a été juste des questions de mastering. C'était mon souci au départ, c'était juste ça. Ce qui m'a chagriné beaucoup, parce que j'ai constaté que lorsque je démarchais... chez certains ici, surtout lorsque je suis arrivé ici en 2009, ils ne m'ont jamais dit ça. Alors que c'était juste ça qu'il y avait à faire. Vous n'avez rencontré aucune aide, alors, aucun soutien? Je mentirais en disant aucun, puisqu'au bout du compte, j'ai rencontré M. Desfontis. Mais avant lui, c'était triste. Parce qu'au bout du compte... C'est une jungle. Il y a ce côté-là qui est... c'est là où c'est malheureux. Parce que la musique... est censé porter un message qui unit les gens, puisque sur de la musique, qu'est-ce qu'on fait en général? On fait des enfants. Est-ce que vous avez rencontré, parce que vous me dites que c'était en 2014, donc ça fait 7 ans que vous avez mis votre premier morceau en ligne. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous sont rentrés dedans, vous disant que c'est pas bon ce que vous faites, c'est nul? Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça? Ce n'était pas direct. Mais j'avais compris. Donc on vous l'a dit, quoi. On ne m'a pas dit directement, mais on me l'a fait comprendre. Ouais. Et malgré ça... Vous avez continué. Ben oui. Pourquoi? Parce que je savais qu'il mentait. C'est tout. Dans ce monde, il y a beaucoup de menteurs, c'est ça? Ben, si on dit quelque chose sur quelque chose qui est censé ne pas être bon, on explique. C'est cette partie-là qui ne va pas, parce que ça crée cet effet-là. Et au bout du compte, ça fait que c'est pas bon. Mais si on dit c'est pas bon et puis c'est tout, puis on repart en ricanant, ça n'a pas de sens. Vous voyez la différence? C'est ça. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, comme musique? Ah, j'écoute de tout. J'écoute vraiment de tout. C'est éclectique? Oui. C'est le titre de mon premier album et de mon premier morceau en 1998. Le morceau que vous appréciez en ce moment, c'est lequel? Qui n'est pas de vous, hein? Ah, oui, qui n'est pas de moi. C'est un vieux morceau qui est de... Allez. On va dire... J'ai oublié son nom, c'est une chanteuse de soul. Elle a un peu le thème de voix de Mary J. Blige. Bon, c'est de la soul, quoi. C'est l'époque Real Love et tout ça, les années 90. Voilà. Quand vous écoutez ce morceau... Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose qui ressemble à ça? Non, pas forcément. Et je dirais même, j'évite de faire ça. Mais je m'en imprègne de façon à produire quelque chose qui me ressemble. C'est quoi au bout votre du style compte. Musical? Au premier abord, j'ai commencé par le rap. Ensuite, le toast. Tout ce qui est reggae, ragamuffin, dancehall. Et au bout du compte... Je me suis amusé à chanter un peu, à prendre des risques, à essayer de faire un peu de slam entre les deux. Et
Voilà, c'est un mélange de tous ces styles-là, en vérité. Quand vous parlez de slam, vous savez, sur votre dernier album, donc il y a un titre qui s'appelle « À Mademoiselle ». Oui, vous allez slammer, vous slammez sur des morceaux. C'est un peu ça, en fait. D'Alfred de Musset, vous ne... Oui, bon, c'est libre d'accès, donc j'avais envie d'en profiter un petit peu. On peut écouter quelques notes? Très bien, il n'y a pas de problème. Alors, Mehdi, vous savez, quand on écoute ça, on se dit, quelle voix, hein? Merci. Alors, avec Alfred de Musset, vous composez avec Alfred de Musset? Oui, bon, c'était un auteur. Un poète. Poète, exact, que j'ai découvert entre 98 et 2002. C'est-à-dire quand j'étais à Paris, justement lors de ma formation. En me promenant au Puce, j'ai découvert, parmi les anciens livres qu'ils vendent tout le temps au Puce, j'ai découvert ça. Et je me suis mis à lire et j'ai fait « Waouh !» Le gars, il avait le petit côté. Et il avait de la sonorité dans les mots. Voilà, il avait ça. Toujours bien rimé, alexandrin, total, rime croisée, rime plate, là, tout y était. J'ai fait « Bon, ben d'accord. » Vous avez accompagné ce titre d'un clip. Oui. Et pourquoi il est en noir et blanc? Alors, il est en sépia. Pourquoi? Parce que, au bout du compte, l'homme, il est blessé. Donc, c'est un souvenir passé. Donc, autant laisser ça là. Mais l'idée c'est de rappeler un... Voilà, c'est un souvenir, rappeler une tentative qui, au final, puisque à la fin du clip, l'homme réussit à prendre contact officiellement avec cette demoiselle et démarrer quelque chose. Et c'est ça, quoi. C'est ce souvenir de ce moment qui a été difficile à mener parce que la dame était là, quoi. La demoiselle était sur ses positions et qu'elle ne lâchait rien. Cette demoiselle vous a fait penser à une femme debout, une femme martiniquaise, une femme potomitaine. Ça peut être ça. Ça peut être ça, oui, dans les plus appréciables que j'ai connus, oui, oui. L'élégance de savoir se faire désirer. Ah, oh, c'est bien dit ça, c'est joli. Mais oui, c'est ça. Revenons à du concret. Vous avez votre album sous les bras. C'est une image, hein, puisque aujourd'hui vous l'avez dans une clé, sur une clé USB, et puis vous dans votre sac ou dans votre poche. Hein. Vous êtes allé, par exemple, voir les radios locales privées, vous êtes allé voir les télévisions. Racontez-moi comment ça se passe. Pourquoi, et puis, selon vous, pourquoi autant de difficultés qu'on puisse,
passé. Parce que j'avoue hein, qu'avant de vous avoir rencontré, avant d'être allé sur Internet, avant que vous m'envoyiez un peu vos titres, je ne vous connaissais pas, donc je ne savais rien de vous. Pourquoi ? Ben, comme je vous ai dit, il y a des décisions qui se prennent, et puis c'est à chacun de savoir s'il veut grandir ou s'il veut rester sur la même position. En ce qui me concerne, je démarche encore, sans cesse. Et là, je parle de cette période digitale, mais lorsque c'était la période entre 2002 et 2009, toujours, où j'avais mon CD sous la main, c'était un peu plus simple. C'était sur la Guyane, donc je pouvais plus facilement... D'ailleurs, ma feuille SACEM s'en ressentait. Je pouvais plus facilement me démarcher, présenter un titre, discuter du titre, voir comment on pouvait justement déjà le placer dans une interview, le placer dans une programmation. Mais j'avoue que depuis 2009, depuis mon arrivée ici, je suis heureux de découvrir mon pays d'origine. Je suis heureux de découvrir toutes les possibilités que j'ai, puisque j'ai commencé à appliquer l'art que j'avais commencé, quelque chose que je faisais à l'école. Hein. Ma première exposition de peinture a lieu ici. Et puis, j'ai rebâti mon studio d'enregistrement. C'est beaucoup dire. Mon home studio ici. Et je me suis mis vraiment à réaliser, puisque j'ai réalisé mon tout premier clip en 2002. Parce qu'en fait, en fin de compte, tout avait été financé et tout, filmé et tout. Et puis, au dernier moment, les gars me disent non. Et puis, j'ai tous les rushs, je ne sais pas quoi faire. J'ai appris. J'ai pris les rushs, j'ai pris mon logiciel, j'ai fait entrer tous les fichiers, c'était sur un DVD, je les ai fait entrer dans l'ordinateur et puis j'ai commencé à monter, j'ai appris. C'est de là que tout ça est né en fin de compte, c'est des difficultés qui ont fait que ça arrive, que je sache faire toutes ces choses-là. Mais pour revenir à ce qu'on dit, j'aurais bien aimé qu'on se comprenne, quoi. C'est vrai que quand vous allez, par exemple, allez, je dis une radio dans le sud, par exemple, il y a plusieurs radios dans le voilà. sud. Voilà. Vous êtes déjà allé ? Oui, quand même. Vous ouvrez pas ? Oui, quand même. Alors, comment quand ça se passe, quand ça quand même. Vous êtes reçu par un animateur ? Oui, voilà. Donc, je peux prendre l'exemple de radio dans le sud, oui. Je peux prendre l'exemple de radio dans le sud, dans le sud ou même radio bébé, ouais. C'est bien ça, entre le sud et... OK. Et... oui, il y a eu des possibilités où ça s'est bien passé. Mais c'est tellement peu. Parce que vous savez, je suis surpris. Moi, je voudrais comprendre. Quand j'écoute votre titre, hein, à Mademoiselle, nous avons écouté un extrait à l'instant, c'est un titre agréable, c'est un titre qui est reposant, qu'on peut diffuser à 14h au moment de la sieste. Donc c'est un titre qui est, pour moi, radiophonique en tout cas. Il est parfaitement écoutable, diffusable. Et qu'est-ce qui fait qu'on rencontre des difficultés à diffuser un titre comme ça, selon vous ? C'est le manque de culture des musicales ? Je ne peux pas les juger. Non, mais ce n'est pas une question de jugement. On peut faire des constats. On ne juge pas, on porte un constat. Qu'est-ce qui fait que la musique de Mehdi Nesmon n'est pas diffusée sur les chaînes, sur les radios, plus régulièrement ? Selon vous ? C'est la jalousie ? C'est de la méchanceté ? C'est le manque de connaissance ? Je ne peux pas juger. En fait, je vais vous dire, vous avez tout à fait raison de le dire, mais je dois répondre, je ne veux pas leur ressembler, je ne vais pas le juger. Que ceux qui veulent faire leur travail, le fassent. Ceux qui veulent me diffuser, qu'ils me diffusent. Et puis voilà. Mais sincèrement, c'est vrai que c'est stressant parce qu'au bout du compte, et ça revient à ce qu'on disait au départ, on peut vivre de la musique ici. On peut vivre de la musique ici. Quand on écoute ce que certains nous passent tous les jours, qui est plus de l'international... Au lieu d'être du local, on en vient à se demander, mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Est-ce qu'on paie gracieusement des gens à se moquer de nous ? Je ne peux pas les juger. Il faudra bien le faire, mais vous savez, j'en ai vu des vertes et des pas mûres hein, avec ces gens-là. Alors parlez-nous des pas mûres. Mais comme je vous ai dit... Il y a des décisions à prendre lorsqu'on constate qu'au bout du compte, la musique, c'est bien, parce que lorsqu'on a la possibilité de pouvoir transmettre toutes sortes d'humeurs, hein, là, c'était quelque chose de plus tendre, et ça peut être plus joyeux, plus festif, plus rythmé, pour ne pas dire autre chose. C'est vrai que ça interroge lorsqu'on se dit, mais
pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir, discuter ? Bon, si tu n'aimes pas cette partie-là, dis-moi cette partie-là à ranger. Si tu n'aimes pas ce fonctionnement-là, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Ou... Mais ça ne se passe pas comme ça avec les artistes qui sont un peu plus, voilà, plus connus. Fait... Parce qu'ils viennent avec un produit, on apprécie ou on n'apprécie pas. Et généralement. Et ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure, mais dans une autre partie, c'est-à-dire le marketing. Si il peut venir avec 20 000, 30 000, et puis il est content, avec un beau sourire, et puis... Donc vous pensez que c'est l'argent qui guide l'art en Martinique? Ah oui. Hein. C'est grave, ça vous dit. Oui. C'est grave, mais c'est réel. Parce que sur les plateformes numériques, on en voit avec des millions, des milliards de streams. Et quand on écoute... Oui. J'ai nommé personne. Hein. Et puis dans la section contrefaçon, voilà quoi, numéro un. Quels sont vos rapports avec les autres producteurs de Lille? Vous les rencontrez? Je ne les connais pas tous. Alors je ne peux pas parler de ça, je ne les connais pas tous. Mm-hmm. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Mm-hmm. Je sais qui est-ce que j'ai rencontré au début, puisque j'en parlais, qui n'a pas... qui aurait dû au moins dire, bon, ben écoute, c'est bien, t'as déjà fait ton clip, bon, ben, modifie ça et ça passe. Rien du tout, je vois des choses pas très agréables. Mais là, en ce qui concerne les autres producteurs de Lille, je n'ai aucun souci. Je suis prêt à discuter avec de nouvelles personnes. Ça ne me pose aucun souci. Vous êtes conscient que vous dites, en tout cas, il y a au moins 3 clips que vous avez produits, qui vont pouvoir être diffusés sur AMT. Vous êtes conscient que j'en suis conscient. Cette opportunité. J'en suis conscient et je vous en remercie. Dites-moi, on va parler de notre clip que vous avez produit également, qui s'appelle C'est toi. Oui, c'est toi. Et c'est une dédicace aux femmes. Vous aimez les femmes? Bah oui. Bah déjà, que je le veuille ou non, il faut que je dise merci à maman de m'avoir mis sur terre. Et merci à ma grand-mère d'avoir mis mon père sur terre aussi. Pour que je sois là. Donc la plus belle des femmes pour moi, ça reste ma grand-mère néanmoins, et puis celle qui m'accompagne aujourd'hui. Je le dis pour certaines raisons qui me sont encore intimes, mais que je veux garder intimes, merci. Et c'est important de dire merci à celle qui a eu le courage... D'accepter toutes vos bêtises. Oui, d'une, et puis de m'encourager aussi à faire les bonnes choses de la vie. Voilà. Alors, on écoute quelques notes de C3. Et on regarde aussi. Tu le sais, toi et moi, explorons les domaines sexuels, on se nie, s'aime. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Juste corps en feu, que de moments divins, incompréhensibles par des tables ou par des mots. Inutile serait ma tentative dans ce micro où tu es la braise, réchauffant mes rêves, me montrant la route, maintenant et toujours. J'y pense, oh, chance. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de
de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi, âme et corps. Unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Le flot des caresses éveille les réflexes. Avec allégresse et avec tendresse, beaucoup de finesse. L'ascension à la septième vitesse. Relax, c'est l'amour qui est au max. Les relations humaines pour seule taxe. Causée par des sentiments. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Âme et corps, pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme. C'est toi. Pour toi. C'est toi. C'est vraiment sympathique, hein, tout ça. Quand vous écoutez une de vos compositions comme ça, vous regardez, qu'est-ce que ça vous fait en tant que... En tant qu'homme, quoi, en tant qu'humain. Alors déjà, je... Vous êtes fier, vous êtes... Oui, le mot fier peut être utilisé dans le sens où... Je suis arrivé à quelque chose où je ne sens pas qu'il faut refaire ou qu'il faut modifier. C'est-à-dire que je sens que la globalité est bonne. Et après ça, comme on a dit tout à l'heure, il faut présenter aux autres, il faut voir, écouter les critiques positives, c'est-à-dire qui permettent d'avancer, pas qui détruisent. Et voilà. En tout cas je suis sidéré, hein, de voir que vous me dites que vous avez depuis février dernier donc placé quelques titres sur des plateformes et qu'aujourd'hui, par exemple, que je n'ai pas encore entendu sur une chaîne de grande écoute un de vos morceaux. Ça, je suis quand je, en tout cas, pour les deux titres qu'on a déjà, dont on a eu un peu d'aperçu là, quelques aperçus, moi je ne comprends pas. Et est-ce que vous, et c'est pour cela que je veux insister, pourquoi est-ce que vous avez un début d'explication, même si vous voulez pas juger, est-ce que... Alors peut-être que je suis fautif, peut-être que je n'ai pas la bonne attitude ou le bon comportement. Parce qu'il faut avoir un comportement. Oui, oui, non, mais j'énumère les blagues que j'ai entendues, en fait. Mm-hmm. Est-ce que je ne suis pas assez, quoi, ou c'est... Ou comment ils m'ont dit ça, déjà? Je ne fais pas comme il faut faire, donc je fais pas comme ça. Alors, c'est qui, il? Je ne sais pas. Donc, ce sont des animateurs radio? Ce sont des producteurs, ce sont des... Non, des programmateurs. Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que ma musique, elle est accessible à tous. Si vous voulez, si des gens veulent bien, sans se forcer, hein, passer un titre, le déclarer à la SACEM, évidemment, de la même façon qu'il le ferait pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire un fonctionnement normal, juste... Alors, vous me dites que ce titre, c'est une dédicace aux femmes. Hein. Voilà. Moi, je ne vous crois pas, parce que je sais que les Martiniquais aiment beaucoup les voitures. Il y a une voiture qui s'appelle C'est toi. Vous voulez mettre un peu en avant cette voiture, non, dans trop. L'espoir que le concessionnaire vous entende et puis vous... Sponsor, peut-être. Voilà, vous sponsorise, c'est ça? Non, même pas. Mais bon, ça aurait été bien, alors, ce coup de sponsor. Donc, revenons que c'est dédicace aux femmes. Racontez-nous l'histoire de cette composition. Alors, tout d'abord... C'est ça qui est marrant. Elle a été écrite... c'était d'abord un poème, mm-hmm, qui a été écrit pour... Non, vous êtes également poète, alors? Non, c'est que lorsqu'on est au collège, on écrit des belles choses pour les filles. La fille qu'on aime bien. Mm-hmm. Et puis voilà. Alors, c'est parti de là. Et c'était mon année 95-96. Voilà, c'était en 95. C'est pour quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est parti en France étudier. Une vingtaine d'années, à peu près? Oui, elle avait quelques années de plus que moi. Mm-hmm. Mais elle est partie et ça m'avait un peu déchiré le cœur. Donc je lui ai fait... C'est à l'époque où je composais encore musique et voix avec le système cassette audio de l'époque. Donc micro cassette audio, enfin bon, tout un micmac. Mais bon, le tout était de faire passer le son dans les deux fils de façon à ce qu'on ait au bout du compte
l'ensemble mixé. Et à cette époque-là, donc j'avais réalisé pour elle, réalisé c'est bien dire, j'avais fait une petite maquette, c'était ça, où je lui avais fait des morceaux, j'en avais fait d'autres d'ailleurs, hein, mais bon, j'ai tout oublié, bon, si ça se retrouve, tant mieux, où je lui avais envoyé donc les morceaux, ce morceau-là en l'occurrence, qui au bout du compte a été retravaillé, qui est sorti la première fois en 2007, et qui a été retravaillé, puisque là c'est le remix, et je l'ai retravaillé en 2013, donc, lorsque j'étais en... Non, j'ai été... Oui, je l'ai retravaillé en 2013, parce que c'est là que j'ai amené les tableaux. J'ai amené des tableaux à Paris de moi et Madame Nicole Victorin pour pouvoir exposer, moi et mon ami, pour pouvoir exposer au carrousel du Louvre. C'était une petite place, hein, mm-hmm. quelques tables. C'était 3 ou 4 tableaux qu'on a pu mettre dans une grande exposition collective. Rien de bien méchant, mais au moins, ça permettait d'avoir une visibilité. Et également, après, les emmener au Canada, même chose. Mais c'était bien. Et ce morceau-là, donc, il a fait tout ce cheminement-là et il a eu l'occasion de reprendre vie durant cette période-là, réécrit, et avec des chœurs, dans un véritable environnement, un studio lourd, avec beaucoup de compétences musicales. Là, je parle de la personne qui était derrière la table de mixage, Maxi. Et ça a donné ce résultat-là. Donc j'en ai profité pour faire quelques images. Après ça, j'ai rajouté des images, puisqu'après j'ai été en Guyane, j'ai rajouté des images que j'avais faites en Guyane avec une fille, dont j'ai oublié le nom, qu'elle m'excuse, et qui a accepté d'être modèle, entre guillemets. Et très photogénique. Et très photogénique, et très belle, d'ailleurs. Avec tout le respect, hein. Ça n'a pas été plus loin que ça. Et ça a donné ce clip que j'aime beaucoup. Bon, voilà. Alors, il faut préciser que c'est vous qui réalisez également le clip. Alors voilà, je prends le soin de réaliser. Si j'avais le moyen, j'aurais été réalisateur, mais je n'aurais pas été producteur. Mmh. J'aurais été réalisateur et j'aurais payé un producteur pour le faire. Mais voilà, donc... Et je prends plaisir, j'ai pris plaisir à faire ça, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a un cheminement qui a commencé en 2002 qui a fait que je me suis intéressé à la vidéo aussi. L'infographie aussi, et bon, ça c'est encore autre chose. Et j'ai pris plaisir à réaliser ce clip-là et à en faire d'autres encore. Donc là, on a eu l'occasion de voir deux, et il y en a encore d'autres qui... On va voir tout à l'heure. Oui, il y en a encore d'autres. En fait, le but est de pouvoir toujours retranscrire au mieux l'image que l'on veut, le message que l'on veut faire passer. En savant... Vous savez pourquoi j'ai insisté sur le fait que c'est vous qui avez produit ce clip. Est-ce que, parce que tout à l'heure vous disiez, on cherchait en tout cas ensemble, parce que je vous pose des questions, pourquoi vos titres ne sont pas diffusés plus largement. Est-ce que ce n'est pas le fait aussi de passer par quelqu'un d'autre, par des tiers, si vous aviez par exemple quelqu'un qui vous réalisait une vidéo, apporterait une autre vision à votre musique? Oui, mais je l'ai fait, ça. Vous l'avez fait? Bien sûr. En 2011, j'ai eu un clip réalisé par Pascal Prosper. Mm-hmm. C'est génial. Je l'ai envoyé. On me parle de couleurs, on me parle de... C'est la catastrophe. Ouais, mais du le grand n'importe quoi, quoi. Le truc, il est génial. Je crois qu'il est en ligne, d'ailleurs. Vous ne l'avez pas envoyé à KMT? Non, je ne l'ai pas amené. Mais bon... Je le ramènerai un peu plus tard, mais c'est génial ce qu'il a fait. Bon. Je ne... Comment dire? Je n'ai pas l'intention d'attendre que ce soit... Et vous êtes transformé alors en chat? Pourquoi je dis ça? Voilà, parce que oui, oui. C'est pas... Non, au contraire, je continue à leur envoyer. Parce que le cas de conscience, il n'est pas pour moi. Mm-hmm. Eh oui. Après un certain temps, je finis au final par percer, ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder tout ce qu'ils ont loupé. C'est pas moi qui sera gêné. C'est pas moi qui devra répondre, ah oui, mais il nous a envoyé les trucs depuis non, et puis vous êtes là en train de vous gratter le doigt, gratter le plat du pied, mais les gars, arrêtez un peu. Vous avez un peu de colère quand vous dites ça? Oui, parce que c'est énormément d'énergie. C'est faut pas croire, hein. Et est-ce que sur un autre marché, parce que vous pensez que vous pouvez avoir des débouchés? Alors, en France, c'est la même chose. Anti-France, c'est la même chose. Qu'est-ce qui explique que les gens comme Corneille, par exemple, arrivent à percer et puis pas vous? Il a une bonne équipe. Et vous il a une équipe. Vous êtes tout seul. Je cherche à monter une équipe.
Gardien de but. Donc on n'est pas. Non mais on s'est compris. C'est pas comparable. Il fait ses affaires, ça marche pour lui, tant mieux. Qu'il fasse ses affaires. Moi, je fais mon bout de chemin. Grâce à Dieu, je sais pas comment je fais. J'arrive pas à jalouser les gens, mais je suis fier de ce que je fais. Quand c'est bien réalisé, lorsqu'on m'envoie les retours. C'est difficile d'avancer dans ces conditions chaque jour. On a l'impression que c'est un calvaire de se réveiller le matin, de se battre tous les jours. Parce que j'ai décidé de travailler à côté. Enfin, parce qu'il y a du travail. Mais lorsque j'ai décidé d'exercer à côté, ce qui me permet de me soulager, de pouvoir continuer à faire ma passion. Voilà. Donc, c'est obligé. Mais effectivement, pour revenir à la question principale, changer de style musical, passer à la techno, par exemple, ça serait peut-être amusant. Passer à du hard rock, du ska, je ne sais pas trop quoi. Ils ont appelé ska alors que c'était un truc de la Jamaïque. Mais bon, pourquoi pas? Mais là, ça devient... je cherche à faire de l'argent. Donc ça peut être effectivement une issue, si véritablement j'en ai plus qu'assez et puis il n'y a pas d'autre solution. Mais là, je me contente de faire ce que j'aime faire. Il y a des artistes qui l'ont chanté, qui ont dit « la vie artiste red ». Vous confirmez alors? Ben oui. Ils l'ont vécu avant moi, donc je ne peux que confirmer ce qui est... Dis-moi ce qui est embêtant. Je n'aurais pas dû confirmer normalement. Normalement, j'aurais dû être celui qui dit, bon, ben, il l'a vécu, et grâce à lui, je n'ai pas à le vivre. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé. Parce qu'aujourd'hui, quand on produit quelque chose, il suffit d'aller sur une plateforme, de diffuser, et puis on a un retour ou pas de retour. Donc, On a ça aussi, heureusement. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus, je peux encore continuer à faire ce qui me plaît. Parce qu'il y a le côté plateforme qui donne accès à tous au contenu que j'ai produit. Parmi vous, vous aurez un retour, vous commencerez à toucher de l'argent à partir de combien, quelle diffusion, quelle... Alors, là, on va rentrer dans le domaine des calculs... Des droits d'auteur, hein. Des droits, oui. Là, on parle du streaming, je crois que c'est pour 1000... Streaming, on a. C'est comme si on gagnait. Expliquez bien aux gens. Streaming, c'est vu, hein. C'est en fin de compte, voilà. C'est soit vu, c'est soit le nombre de fois que le morceau a été écouté. Ou pour la vidéo a été regardée. On a. Je crois que c'est 0,1 centime ou je ne sais plus. Non, je ne vais pas dire de bêtises. D'accord. Mais en tous les cas, c'est à partir de 1000 que ça commence à être une vente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. À partir de 1000, on a une vente. D'accord. Ça, je peux le dire avec certitude. À partir de 1000 streaming, on a une vente. Que ce soit, quelle que soit la plateforme, c'est à partir de 1000 que ça commence. Et vous avez un retour? Vous êtes en bonne voie? Vous êtes à combien à peu près? Vous savez Le plus fort que j'ai atteint, c'était avec Tchèque. Je suis monté à 350. C'est peu, c'est faible. C'est faible, oui. Mais c'est fort lorsqu'on sait que je suis tout seul derrière. Oui. Donc je me contente de ça, je suis content. Parmi les deux titres qu'on vient d'écouter en partie, hein, puisqu'on n'a pas tout regardé, lequel est à votre préférence? Ah, Mademoiselle. Mm-hmm. Pourquoi? Jazzy. Le côté jazzy. Ouais. C'est le côté faible, justement. Le côté noir, le côté qui revient. Mm-hmm. Justement, on va faire une question dans ce qui se passe aujourd'hui. Quel est votre regard sur... la politique aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les jeunes s'impliquent suffisamment, s'engagent, les artistes, est-ce qu'ils s'engagent suffisamment? Alors, notre rôle à la base n'est pas d'être des politiciens. Mais il arrive, Non, mais. Vous avez un prix qui dit que vous êtes un guide, vous devez. Oui. Non, mais j'assume parce que. Enfin, j'assume ce que je dis et je ne me contredis pas après, puisque moi-même j'ai écrit un morceau qui s'appelle Politicien du bien. Politicien du... Du bien. Du bien. Ça veut dire que, au lieu de pointer du doigt, je me suis dit, fais comme ça. Pense à nous. Pense que, en vérité, c'est pas qu'on veut être comme toi, mais qu'on veut juste être satisfait d'avoir voté pour toi. Ouais, je pense que j'ai bien résumé, là. On est satisfait d'avoir voté pour toi.
Le message que voilà. vous passez à travers votre musique. Mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez, de nos politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques répondent aux aspirations des peuples? Non, c'est une autre question, ça. Est-ce qu'ils répondent tous? Pas forcément tous, non. Mais est-ce qu'on est tous aux manettes pour comprendre comment il faut faire pour y arriver? Alors, il y en a qui font l'effort, on va le dire franchement. Et puis, il y en a qui sont en chemin. Puis après, Selon vous, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont engagés en politique? Oui, on s'intéresse beaucoup plus à la politique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Internet, grâce à ça. Qu'on le veuille ou non, même si on boude les prochaines élections présidentielles... Ah oui, mais on ne peut pas être impliqué et bouder les urnes. Attendez, mais quand je dis bouder, je m'explique. On regarde, mais on ne s'occupe pas trop pour le moment. Mm-hmm. Mais on est conscient de ce qui se passe. Donc, Internet a permis de créer l'intérêt à la politique. Il faudrait continuer à le faire. Il faudrait peut-être remettre l'éducation civique à l'école, par exemple. Mm-hmm. Pour éviter certaines dérives après, au niveau de l'adolescence. Il faudrait que je sois politique pour parler pour un politicien, mais là, je ne suis pas politicien. Non, je crois que la vie est politique, donc d'une manière générale. Il faudrait que davantage la parole de ceux qui n'ont pas de voix soit plus entendue, parce que c'est nécessaire. Ça. Il ne faut pas qu'on soit clivé dans des discours toujours les mêmes. En tout cas, vous êtes sensible à ce qui se passe dans la Caraïbe, oui. Puisque vous me l'avez dit tout à l'heure, que vous avez écrit, vous avez composé un hommage à Jovenel Moïse. Pas écrit un titre, mais l'idée et la globalité de cet album-là lui est dédiée. Haïti vous tient à cœur, c'est-à-dire oui. L'histoire d'Haïti vous tient à cœur. Oui, pourquoi? Parce que M. Toussaint Louverture a fait quelque chose qui démontre à l'époque de l'écriture du code noir et des petites méthodes de M. Willie Lynch, qu'ils avaient commis une erreur. Expliquez-vous. Nous sommes tous des êtres humains. Oui. On peut très bien réfléchir autant qu'eux. On peut très bien être stratège autant qu'eux. D'où la défaite de Napoléon. Voilà. Donc, et après, même lui-même l'a reconnu, c'est tort. Oui, mais je veux bien entendre que nous sommes tous humains, mais l'histoire présente démontre quelquefois le contraire. Vous pensez que les gens, par exemple, en Haïti en ce moment, ils ont lancé la mode du kidnapping. Moi je suis sidéré de voir que des gens qui meurent de faim, qui ont tant à faire au niveau du développement, que leur seul échappatoire, c'est de capturer des gens pour demander des rançons. Je suis d'accord. Mais le problème est que qui a déposé ces armes-là? Ce n'est pas les Haïtiens qui les ont fait, les armes. Qui les a amenés, les armes, pour que subitement, des gens qui soient sans éducation, excusez de le dire, pour la plupart, ou même qui ont l'éducation, mais qui sont forcés de constater que tout est difficile, et que pour nourrir la famille, il faut faire quelque chose, c'est injustifiable, ce n'est pas bien. Mais malgré tout, ils tombent dans le travers. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une facilité qui leur a été offerte. D'où viennent ces armes? Qui a posé ces armes-là? Ce n'est pas les Haïtiens qui ont été prendre les armes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour qu'elles arrivent. Et le problème, il est là. C'est là qu'il faut pointer le doigt. Il faut retirer ces armes-là pour que tout redevienne normal. C'est plus facile à dire qu'à faire. Eh hein oui! Qu'est-ce que vous pensez du confinement? Est-ce que... Ça a été utile. J'ai pas envie de voir mes proches mourir pour rien. Mmh. Expliquez-vous davantage. Pour rien, parce que c'est juste un bout de tissu. Parce que c'est pas pour rien, il y a quand même virus. C'est juste, oui, justement, c'est juste un bout de tissu à porter contre ce virus. Vous pensez que les Martiniquais n'ont pas été suffisamment vigilants, ils n'ont pas fait attention, ils ne se sont pas protégés, ils n'ont pas porté le masque? Alors, j'aime la Martinique, j'aime la Guyane, j'aime la Guadeloupe, j'aime mon peuple d'une façon générale, j'ai même avant tout. Je pense qu'on est assez intelligent pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir se protéger. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour repousser ce truc-là afin qu'on puisse repartir dans une société qui fonctionne plus ou moins normalement, puisqu'on aura des distanciations à respecter, on aura ces
ces petits fonctionnements ajoutés dans nos habitudes, distance sociale et tout ça, mais au moins, il faut qu'on le fasse. Quoi. Mais c'est-à-dire... une période comme celle-là pour un artiste, c'est une bonne période parce que ça permet d'avoir un peu plus de temps pour regarder la télé, pour écouter la radio. Donc se remettre en question. Ça va peut-être permettre à des gens d'écouter ce que vous faites. Depuis... Il y a ce côté-là, oui, mais le contact au public, il est où ? La scène. Mais avant, vous ne faisiez pas de scène ? Si ! C'est vrai ? Ben oui ! Dans quel effet final ? Alors, j'ai eu une ou deux fois, j'ai eu l'occasion de faire deux scènes sur le parc Aimé Césaire. C'était deux très belles occasions. J'en ai fait plein en Guyane. Ça a été juste la Martinique et la Guyane. Hein. J'en ai fait une en France, c'était à Nice. Bon. Si, le contact au public, il est important, il m'intéresse énormément, il m'est même vital. Puisque si j'ai envie de partager un morceau en acapella et que je veux... Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce contact avec le public ? Ben tiens, ben je vais parler de quelque chose que j'ai fait en acapella justement sur la place des Savanes, enfin la Savane. Et... c'était de voir le public répondre à un refrain que je leur avais donné juste à l'instant pour un thème qui leur tenait à cœur, c'est-à-dire la protection contre le virus VIH. C'était encore un virus, mais bon. Mais là, on s'est tous compris, il faut se protéger et il y avait un retour. Je n'ai pas amené la vidéo, mais bon. Elle est en ligne, de toutes les manières, sur mon site, ma page YouTube, NMDIL. On va donner tout à l'heure. Voilà, les adresses. D'accord. Et ça a été... C'est un beau souvenir. Parce que c'est un public que je découvre. Je suis originaire de Martinique, né en France. J'ai grandi en Guyane. J'arrive en Martinique. Je veux connaître mon pays. Je découvre le public. J'y vais timidement. Je prends le risque de prendre le micro et de faire un acapella. Et le public me répond. On fait « Waouh, ça va ». J'ai fait deux couplets propres. J'étais satisfait. Ils ont applaudi. Ils m'ont répondu. Ils ont fait le refrain avec moi. Ça m'a fait chaud au cœur. Je crois que c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, en fait. Du live. Alors j'ai fait le parc Aimé Césaire, c'était bien. Je l'ai fait trois fois, je crois. Et c'était bien. Et après, j'ai eu l'occasion de faire le tour des Yoles. Ah oui, j'ai oublié ça. Le tour des Yoles, je l'ai fait aussi. Ça, c'était génial. Le podium, c'était bien. Parce que j'ai vu en fin de compte que j'ai attisé l'intérêt de d'autres artistes. De la Guyane qui sont venus, ils ont essayé de passer aussi, donc ça m'a fait plaisir parce que voilà, ça veut dire qu'ils ont vu et que effectivement c'est bon. Donc c'était ça. Et pour les autres scènes, je pars dans les années entre 93, puisque c'est là que j'ai commencé, et 2009, ça c'est la Guyane, enfin entre la Guyane et la France, mais ouais, c'était des échanges normaux avec le public où c'est plaisant. Et étrangement, ça s'est toujours bien passé. J'aime beaucoup l'éclair que je vois, la lumière que je vois dans vos yeux quand vous évoquez ces moments avec le public. Je vous souhaite encore davantage et beaucoup plus. J'espère que ça va continuer. On va peut-être faire une petite pause musicale en écoutant un titre que vous avez intitulé « C'est l'éternel », c'est ça ? Oui, c'est l'éternel. Alors dites-moi, juste avant, je sais que ça parle de courage, de volonté, mais pourquoi « C'est l'éternel » ? Est-ce que l'éternel avec un grand E, celui qu'on considère comme Dieu, c'est celui-là ? C'est celui-là et... C'est un nom qu'on lui a donné. Hein. Ça peut être positivité, ça peut être amour de l'autre, ça peut être altruisme, ça peut être respect. Donc on écoute et on en parle après. Voilà. C'est l'éternel. Et dit le caresser, c'est le printemps, digérer le dos, tête pépite et malais. Fibre à mon comme mon front, mes manioc. Et petit virage, j'ai bien comme mon pari, mon choc. Hey! L'aspect, oh oh oh. Mon cousin, pas fait mollo. Ronté, vieux tchor, fais-moi parler. Trop chien, fais-moi, ouais, ouais. On prend bon résolution, on parle d'ambition. C'est pas des faciles, tout ça,
folie, même aux productions. Pour représenter toute mon génération, moi choisis ma chèque et champion. Moi choisis ma chèque et champion. Moi choisis ma chèque et champion. Nager très haut, nager très haut. Oh, yeah. Nager très haut, c'est l'éternel du plus haut. Donc je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours que nous recevons Mehdi Nesmond depuis à peu près une heure et il nous parle de ses albums, de ses titres. C'est un artiste, auteur-compositeur. Mehdi, quand on entend ce morceau, vous dites que vous l'avez intitulé « C'est l'éternel », quelle place vous donnez à Dieu dans votre vie ? Central. Mm-hmm. Pourquoi ? J'ai été éduqué par ma grand-mère durant mes premières années, et elle a su me faire comprendre que, parce que j'ai connu le racisme également en France, mais c'était vraiment à petite échelle, hein. C'est les petits combats entre enfants, maternelle, première section, tout ça. Enfin, bon. Mais CP, CM1, tout ça. Mais il y avait des choses quand même terribles à ne pas entendre, qu'on n'aime pas entendre. Et cette femme m'a transmis, malgré tout, toutes ces difficultés, m'a transmis l'amour de moi-même, qui est toujours en perpétuelle construction, et m'a appris à me défendre et à faire confiance à l'amour. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en introduction que ça peut être l'altruisme, le respect. On l'appelle aussi Dieu. On l'appelle Allah, on l'appelle Bouddha, on l'appelle tellement de façons que... Voilà. Tout ça pour dire que d'une façon ou d'une autre, nous sommes liés à quelque chose et que même si certains nous créent des difficultés, on en a toujours quelque chose à tirer pour pouvoir nous améliorer et eux à se remettre en question pour savoir ce qu'ils n'ont plus à faire. Donc il y a un cheminement qui fait qu'on avance d'une façon ou d'une autre. Alors, je repose la question tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais posé une question concernant les deux premiers titres qu'on avait écoutés. Aujourd'hui, on a écouté trois titres. Parmi les trois titres, lequel est votre préféré? Ouais, ça revient encore. Ah ouais, bien joué. Là, maintenant que le troisième est arrivé, c'est chaud. Mais oui, je sais, c'est pour cela que je pose la question. Parce que moi, je vais faire un aveu et je vais vous donner mon choix. Hein. Je vais vous dire, je préférais le second. C'est toi. Il est plus groovy. Ok. Oui, je préfère le second. Et je suis presque un peu gêné, hein, parce que
Je comprends quand vous m'avez expliqué un petit peu votre démarche, votre, le sens que vous donnez à cette composition et la place que Dieu occupe dans votre vie. J'ai presque envie de vous dire, et c'est tout ce que vous donnez à Dieu ? Oui. Alors en fait, il y a eu un chemin qui fait que j'essaie de remercier à peu près sur tous les deuxièmes albums. Pour dire, bon voilà, tu es là. Comment ils disent, c'est leur façon de faire. Ils disent louer Dieu. Moi, je dis, je le remercie. Pouvoir me donner encore la vie, pouvoir encore expérimenter ma présence, pour faire court, et pouvoir continuer à évoluer dans ce monde. Voilà. Et donc, il y a eu en 2017 une trilogie que j'ai faite, qui s'appelle Éternel Passé, Éternel Présent, Éternel Avenir, où encore une fois, ça lui était dédié. Donc voilà. Là, vous êtes en train de me dire, attendez le prochain ou bien le deuxième prochain album pour que je puisse... Non, pas encore, pas tout le temps. Pas... Enfin, si, je vais le faire. Mais j'étais en train de dire qu'en fait, que je l'avais déjà fait, quoi, bien avant. Et puis, que en fait, c'est naturel. Je me pose pas trop la question, je le fais. C'était pas ça ma question. Hein. Ma question, c'était de dire que j'attendais un peu mieux pour remercier. Enfin, vous me demandiez si... est-ce que c'était... Pour moi, est-ce que c'était assez pour dire merci au bon Dieu ? Bon, vous ferez mieux la prochaine fois. Je ne vais pas dire ça. Ben oui, je vais le dire en fait. C'est, moi. Ça, ben oui. Que j'attendais c'est plus ça que je devrais répondre. Vous avez raison. C'est ça que j'attendais comme réponse. En tout cas, Mehdi, oui. Merci beaucoup de partager ces titres. Parce que en tout cas, je les trouve très sympathique, il y a beaucoup d'espoir dans ce que vous proposez comme musique, hein. c'est mon ressenti en tout cas. J'aurais été animateur sur une radio, j'aurais été programmeur, j'aurais passé volontiers vos titres parce que vous Merci. Faites passer un message, vous faites passer une musique, c'est votre style musical et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Vous pouvez peut-être rappeler, est-ce que vous pourriez rappeler aux Martiniquais ou en tout cas aux téléspectateurs de KMT, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver, sur quel site Alors, pour ceux qui ont Spotify, alors NMDEAL, alors N comme Nathalie, M comme Mathieu, D comme Denis, E comme Étienne, A comme Alain, L comme Laurent, NMDIL. Spotify, même chose pour YouTube, même chose pour Deezer, même chose pour iTunes, même chose pour Tidal, même chose pour Amazon Music, etc., etc. En fin de compte, toutes les plateformes de téléchargement légales. Et pensez à regarder aussi ma page Facebook, devenez fan. Mon compte Instagram, toujours NMDIL. Donc tout est bien orchestré à ce niveau-là. C'est juste le monde qui manque. Et voilà. Il faudra vous préparer parce qu'après cette émission, vous n'aurez pas le temps pour répondre à tout le monde. Hein. J'espère. Oui, merci. Vous souhaitez en tout cas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis à bientôt. Merci à vous. Merci infiniment. À bientôt.